Le manuel de procédure de gestion administrative et financière et du plan d'action de la Fédération nationale des procédures des producteurs des semences ont été validés au terme d'une assemblée générale extraordinaire. Les précisions avec Mahamat Oumar Morsal. Cette assemblée générale extraordinaire vise à adopter le manuel des procédures de gestion administrative et financière ainsi que le plan d'action de la Fédération nationale des producteurs de semences du Tchad. Cette assemblée a regroupé plusieurs producteurs des différentes régions du Tchad. Des jours durant, les participants ont débattu sur des questions liées à la production et la commercialisation des semences de qualité. Les chefs de projet Chong Diowo Roger et le représentant du directeur du développement et de la coopération suisse Birochat, ainsi que les responsables du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements ont salué cette initiative qui contribue efficacement au développement agricole du Tchad. Tous réitèrent leur engagement pour la bonne marche des activités des producteurs de semences du Tchad. Désormais, la journée du 17 septembre de chaque année est déclarée officiellement journée citoyenne de la société civile au Tchad. Les précisions avec Var El Hadj. Au Tchad, la journée du 17 septembre de chaque année est consacrée pour commémorer la journée citoyenne de la société civile. Une journée qui consiste à saluer les efforts incommensurables des représentants des organisations de la société civile œuvrant dans la promotion de la paix, de l'unité nationale, de cohabitation pacifique, de la cohésion sociale, bref, de la bonne gouvernance. Cette journée a été également un moment indiqué pour les participants de saluer l'engagement personnel du chef de l'État qui mène des actions salvatrices en faveur du développement du Tchad. Pour eux, la politique du président Déby commence à porter ses fruits. Pour preuve, la tenue de la table ronde de Paris en France pour financer le plan national de développement passage obligé de l'émergence du Tchad à l'horizon 2030 est une parfaite illustration. À ce sujet, des motions de remerciement et de recommandations ont été formulées au président de la République Idriss Déby Itno pour son engagement personnel d'amorcer le processus de développement du Tchad et d'assurer la sécurité de la population sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans la sous-région. Le président de la coalition Touche pas à mes acquis, Mahamat Diagadji Mbaye, a salué les mérites de la société civile joués dans le cadre de la stabilité de la paix au Tchad. La journée citoyenne de la société civile que nous lançons permet dorénavant à chaque 17 septembre de l'année aux organisations de la société civile militantes à se retrouver pour des échanges et analyses sur la situation sociopolitique et économique du pays. La société civile, acteur de sensibilisation de la population, joue sa partition depuis quelques années dans la recherche permanente de la promotion de la cohabitation pacifique et de l'unité nationale du peuple tchadien. L'Organisation internationale de la francophonie prime chaque année les jeunes de l'espace francophone ayant marqué par leur action les changements positifs dans leur pays. Cette année, notre pays a été honoré par le jeune Nahir Abakar qui a remporté le deuxième prix jeunesse francophone. Retour sur cet événement avec Naïm Ahmad Baba. L'Organisation internationale de la francophonie a célébré le samedi dernier sa cérémonie annuelle de remise des prix des récompenses aux jeunes de 18 à 35 ans ayant réalisé des actions visant le développement dans leur espace respectif. 37 pays de l'espace francophone dans les 4 continents, soit 411 innovateurs, ont compétit cette année. Pour la première fois de son histoire, le Tchad a été honoré en raflant le prix Jeunesse Francophonie par le jeune Nahir Abakar. Il surclasse de ces fêtes des jeunes venus du Canada, de la France, de la Guinée, du Sénégal ou encore de la Côte d'Ivoire. Cette prouesse est le résultat de l'organisation du Forum panafricain de la jeunesse qui a vu la présence de plusieurs jeunes africains de 54 pays du continent avec brio. J'aimerais dédier ce prix à la jeunesse tchadienne et particulièrement à mon beau pays, le Tchad, qui se bat tous les jours pour
retrouver sa place, une place internationale et une place dans l'Afrique. Aujourd'hui, j'aimerais bien que ce prix inspire plus d'un et surtout inspire la jeunesse tchadienne. La cérémonie a vu la présence du ministre d'État ivoirien, le maire de la ville d'Abidjan, le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie et bien d'autres organisations internationales. À Maïlao, dans la région du Cher Ibagirmi, un club de football, le club phare de la localité, a désormais pour président, j'allais dire présidente, la députée Mbaynaï Eugénie. Kadno Théophile. Faire du football un vecteur d'unité pour la jeunesse du canton Madiago. C'est l'objectif visé par le père l'abbé Madou en créant en 2016 le football club Madiago. Après un an de gestion du club par son président fondateur, celui-ci passe le relais à une femme. Il s'agit de la députée, Madame Mbaynaï Eugénie, qui a désormais la responsabilité de gérer les dossiers du club. Pour l'accomplissement de ses tâches, celle-ci sollicite les soutiens des autorités civiles et militaires et de la population de la sous-préfecture de Maïlao. À moi seule, ça ne peut pas développer le football de Madiago. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Nous vous demandons votre soutien, population de Maïlao. Pourquoi ? Parce que le foot, c'est les supporters qui font vivre le club. C'est les supporters aussi, avec leurs encouragements, qui font que les talents se développe. Ne les laissez pas, ces jeunes-là. Ils ont besoin de vos contributions matérielles, morales, pourquoi pas financières pour les accompagner. La cérémonie a été agrémentée par deux matchs de brassage et de solidarité. Le premier match a mis aux prises deux équipes masculines. Ce match s'est achevé sur le score de parité, un but partout. Quant à la seconde rencontre qui a mis aux prises deux équipes féminines, elle s'est achevée sur le score d'un but à zéro. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie.